Yo tout le monde, c'est Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA. Et cette semaine, un nouveau véhicule est sorti sur le site de Legendary Motorsport. On va aller voir ça. Il s'agit, mesdames, messieurs, de la Juboshi 770. Donc le troisième véhicule de la liste que Rockstar devait sortir. Et logiquement l'un des derniers, hein, puisque ça avait filtré il y a quelques temps. C'est une sportive classique cette fois-ci et elle est beaucoup moins chère forcément, 695 000 $. C'est beaucoup plus abordable, on va la prendre et on va la mettre dans la couleur que pour sa photo parce qu'elle est vraiment très très belle comme ça. Alors on voit un petit peu au niveau de ses stats que c'est légèrement différent, hein. On voit qu'il y a un peu moins de vitesse, moins d'accélération, légèrement moins de freinage et tout autant de traction, donc voilà. Mais forcément en sportif classique ça sera déjà beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. On va pouvoir voir dans quelques instants un petit peu toutes les modifications disponibles sur ce véhicule, mais ça promet encore. On a enfin rempli le deuxième garage, donc on a les 10 véhicules maintenant. Je vais attendre tranquillement de me le faire livrer pour aller voir au Los Santos Custom ce que ça va donner et un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais elle a l'air vraiment pas mal cette Juboshi. On connaissait la Juboshi Massacro notamment. Maintenant cette nouvelle Juboshi, on va voir ce qu'elle peut nous proposer. Donc je vais couper, on se retrouve tout de suite devant le Los Santos Custom pour les nouvelles modifications apportées sur ce véhicule. Allez, donc c'est parti pour la customisation. Donc on a fait tout le reste. On a mis les transmissions, les suspensions. On a mis le moteur. Maintenant, on y va pour la couleur. Elle est même belle, elle est très belle en argent sombre comme ça. Ça me plaît bien. Donc quand on la voit comme ça, il y a un peu un mélange de tout. On pourrait penser à une Massacro et un peu à une Coquette à l'arrière. Donc c'est un vrai mélange, un peu diversifié. Un peu petit aileron bas, pas besoin de mettre un gros aileron. Je trouve qu'elle est déjà bien de base. Et en rouge, elle en voit aussi. Argent nocturne. Rouge lave, rouge gracieux. Encore un véhicule qui a toutes les couleurs possibles et inimaginables. Vert olive, vert clair, vert pétrole, bleu nocturne, bleu. Ah ouais, c'est un choix très délicat à faire. Vraiment de toutes les possibilités. Il y a de plus en plus de véhicules qui sont. J'aurais bien voulu mettre un orange profond si je l'avais eu. Encore trois cascades. Elle a vraiment des beaux motifs cette voiture. On va mettre comme ça et si je la nacre. Qu'est-ce que ça ferait, hein, un petit dérivé rouge Torino. Avec le rose, avec le saumon, avec le jaune, ça fait beau avec le jaune. Les reflets, le jaune normal et le jaune racing, avec le vert clair. Là, il y a vraiment des beaux mélanges à faire sur ce véhicule. Le bleu diamant, ça ressort aussi, hein. Il y a vraiment des beaux motifs, le bleu ultra. Oh, un véhicule très très beau, hein, comme ça. Ah, si on veut s'amuser à mettre des motifs, hein, c'est vraiment facultatif. En beige clair. Une teinture un peu cassée, crème. Et ça ressort, hein, ça fait. Fait limite tiré sur le blanc pour la carrosserie, ça fait très beau. En blanc gifre, ouais, elle pète bien comme ça. En gifre, je vais la mettre comme ça. Vraiment, ça fait vraiment très très beau. À la revente, 516 850, hein, donc on y trouve notre compte. Eh, si elle est pas belle en acier comme ça, avec le gris, avec le blanc en glacis, ça fait pas beau. La présenter un peu. Voilà, on a laissé les jantes d'origine. Un très très beau véhicule, 695 000 $.
C'est pas très cher, c'est une sportive, donc autant en profiter. Non, si on met un peu de bruit. Ok. Le démarrage. Rien de quoi faire. Faut la tester, hein, faut la tester, voir un peu ce qu'elle donne. La lancer. L'envoyer un peu. Hein. Faire un peu de route. Il faut bien la contrôler parce que sinon c'est un peu plus délicat pour bien la gérer sur la route. Voilà un peu. Ouais, c'est pas mal, c'est un très très beau véhicule, très très bien. La Jubochi 700. Jubochi 70, pardon. Jubochi 770. Ouais, on devrait l'appeler la Jubochi 770, hein, puisque c'est 70. Ouais, c'est un petit détail de la part de Rockstar d'avoir appelé simplement ce véhicule comme ça. Ouais. Un bon million à compter, hein, pour toute la customisation en tout, hein. Donc, ce qui en fait vraiment relativement peu cher. Elle a vraiment une belle tête, hein, pour les courses. Il faut la tester sur les courses de sportifs classiques. Ah, j'avais pas fait gaffe aux détails de la jante, le contour de jante. Pas mal. C'est plutôt beau. Voilà, calandre, hein, rien de très changeant. Et de l'intérieur, ouais, les vitres limousines, ça fait un bel effet. Encore un poste dernier cri avec les. Et regardez un peu le pommeau de vitesse, hein. Le pommeau de vitesse, il est la limite entre l'argent et l'or. C'est vraiment très 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 beau, hein. Et les aérations totalement différentes par rapport à l'autre. L'arrière, les sièges en simili-cuir. Un très très beau véhicule. Voir, je sais pas ce que c'est le petit truc vert dessus. Devant qu'on voit sur le tableau de bord, je sais pas. C'est innovant. Le volant, il est assez simple, hein. Il y a rien de plus simple en fait au niveau du volant, donc ça change pas beaucoup. Et je vais aller faire un petit tour sur les autres sites, voir s'il y a du nouveau, parce que je n'ai plus été voir depuis. Est-ce que sur Beniz il y a quelque chose au niveau du stock? Des modifications qui s'apportent, hein, sur les nouveaux véhicules, donc ça pourrait être pas mal d'aller voir ce qui s'y trame. Je vois qu'il y a des modifications sur les 6 premiers véhicules. Ok, on ira voir sur Elitas. Non, depuis le Volatus, hein. Et le Nimbus aussi. Ouais, ça, non, ça change pas sur Warstock. La promo du Libérateur, parce qu'on est le jour de l'Independence Day, il est à 556 000, donc c'est beaucoup plus abordable que ce que c'était. Le Jetsam, Cargo Bob Jetsam, il me tente, hein, franchement il me tente. Ah, et réduction aussi sur le Savage, d'accord. 975 000 par rapport à 900. Ah oui, il est à moitié prix, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc il faut vraiment foncer là-dessus parce que c'est avantageux. Les bateaux, non, 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 y a rien, non. Pour les cycles, ouais, ça reste du classique, y a pas de changement au niveau des cycles. San Fernando San Andreas, l'Independence Day, la promotion sur la Western Sovereign, la moto. Et après, hein, pas grand chose, hein, non, vraiment pas grand chose. Donc ça change pas des masses. Non, ouais, vraiment rien de nouveau. Ok. Donc voilà un peu pour le nouveau véhicule, la Jubochi 70. Voilà, hein, Jubochi 70. Je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle déjà. Donc ça s'appelle précisément la Jubochi 770. Voilà, 695 000 dollars. Et comptez environ 1 million au total pour avec les customisations.
Donc un véhicule pas très très cher, assez puissant et qui a une belle tête. Bon, en tout cas, j'ai le garage plein, donc je vais aller voir ça. Et on va aller voir chez Benny, on va aller prendre un véhicule et on va faire un tour chez Benny pour un peu les modifications sur le véhicule à apporter. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo chez Benny. Ok, alors c'est parti, on y est ici. On est chez Benny. Et donc on va voir un peu ce qu'il y a comme nouveauté. Donc les pompes hydrauliques, ça change pas. L'habitacle et les nouveautés. Décoration. Bon, les décorations, ça reste pareil. Ah, années 30, rock'n'roll. Ça, il n'y avait pas. Basique, négatif, flamme. Trop soleil divin. Et il y a des belles choses, hein, quand même. Années 30. Après, c'est qu'on est déjà volant sur les. Je l'ai mis, il est vraiment très très beau. Hein. Dur comme du bois, il est vraiment magnifique. Mais il y en a d'autres. La Bomba, étoile des rues, croisière, il y en a plein. Il y a vraiment un large choix. Ici, ils ont ajouté cela. Ajouté tir au spicewear, flingue, 6 coups. Voilà, ils ont ajouté cela. Plaque décorative. Bah, attends, on les voit de là, c'est nouveau. West Side Néon. Magnetix Manuscrit Léon, ça c'est des nouveaux. Bors, Magnetix. Et on les voit de l'intérieur donc. San Andreas Néon. Initial San Andreas Néon. Beniz Original Motors. Ok. Équipement multimédia. Les haut-parleurs. La couleur de l'éclairage. Ah, possible de les mettre comme ça maintenant. En or. Jaune pâle, orange, rouge. Gracieux. Saumon. Ah, les couleurs classiques des véhicules hein, quand on fait des modifications chez le Santos Custom sont disponibles. Je vais lui mettre un ton or pour changer un peu. Et donc là, toutes les figurines, ok. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les motifs, peut-être qu'il y a un petit peu plus de motifs. Un bleu baltique, balistique. Ah, qu'elle est belle en infernal comme ça aussi. Elle est vraiment superbe. Là, c'est du basique en fait, hein. Violet absurde. Vraiment particulier. Il faut aimer. Rouge royal, elle est vraiment très très belle. Mais j'ai vraiment. J'aime bien la couleur qu'on a mis avec elle. Avec les jantes qu'on a mis en or, ça fait vraiment très très beau. 419 000 à la revente. L'aileron, si on a le choix, on peut mettre un aileron bas, mais je trouve que ça gâche tout. Ça gâche vraiment tout. Transmission, je l'avais pas mis. Le coffre aille des enceintes pour que ça donne un effet supplémentaire. Donc voilà un petit peu de modification, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est que sur les 6 premiers véhicules, donc voilà, hein, sur la Virgo et tous les 6 premiers véhicules disponibles sur le site de Beniz. Donc voilà, c'est un petit peu de modification, mais pas plus. Pas d'autres véhicules en plus depuis la sortie de la mise à jour. Mais donc, le nouveau véhicule, comme on a vu tout à l'heure, comme j'ai dit au début de la vidéo, la Dubochi 770 à 695 000, qui est un très très beau véhicule. Et c'est pour regarder hein, vraiment un beau pot, avec le pommeau de levier de vitesse qui est totalement changeant par rapport aux autres. Donc, je vous la conseille si vous avez un peu d'argent. Ça fait toujours remplir le garage. Quand on peut voir, hein, le garage, il est vraiment plein. Hein, je vais vous montrer un petit peu.
Mais il est plein, plein, plein. Pour la prochaine fois, il va falloir que je change. La Enduro, l'Insurgent, T20, Vindicator, Osiris, Adder, Zentorno, Coquette, Kuruma. Ah, Usultant dans le premier. Car je pense que je vais vendre la Coquette pour la prochaine fois. Et là, Sabre Turbo, Buccaneer, Benchy, Reaper, ça c'est les nouveaux véhicules. Reaper, FMJ, La Bestia, Windsor, ça c'est un des anciens véhicules. X80 Proto, 811 et la 770. Donc voilà un peu pour les véhicules que j'ai dans mon garage. On va commencer par en vendre parce que là, je pense que je vais vendre notamment la Coquette. Et après je me tâte peut-être la Zentorno qui va partir, on verra. On ira peut-être vendre la Enduro que je ne me sers pas beaucoup. Parce qu'il faudra laisser de la place pour les prochains véhicules. Étant donné que je suis pas très moto, au pire je prendrai dans la rue, y a pas de souci. Donc voilà, pour les véhicules. Okay, I got stuff to do. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous apprécierez, n'hésitez pas à liker, à lâcher des commentaires et à vous abonner si c'est pas encore le cas, si c'est pas déjà fait. Je rappelle qu'on attend le 10e abonné pour faire une grosse vidéo. Donc on va voir pour la prochaine fois. On se retrouvera très prochainement sur GTA et sur Just Cause et sur d'autres jeux pour la suite de nos vidéos. Je vous dis à tous merci, bon game. Bon visionnage à tous et ciao tout le monde!